زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. De nombreuses civilisations ont existé et à travers les époques, les choses deviennent de plus en plus faciles pour l'humanité. Plus le temps avance et plus l'humain progresse dans la technologie. Et cette technologie confère un luxe qui n'est malheureusement pas égal selon les gens, les familles ou bien les pays. Il y a quelques années, même les plus grands rois n'avaient pas comme nous avons la possibilité lorsqu'on veut de l'eau, de simplement ouvrir le robinet. Même pour avoir telle et telle nourriture, ils appelaient un de leurs servants qui viendrait leur apporter ce qu'ils voulaient. Et maintenant, beaucoup sont dans la même situation. Et lorsqu'ils ont faim, n'ont qu'à allumer leur téléphone et se commander à manger. Rien que pour aller d'une ville à l'autre, c'était une décision à ne pas négliger. Alors que par exemple, en prenant l'exemple de la France, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour aller dans la destination souhaitée. Ces choses sont devenues tellement banales et évidentes, alors que pour des peuples anciens qui avaient sûrement plus de richesses, c'était une chose totalement insensée. Cette facilité, ce luxe que nous considérons comme une normalité, nous fait parfois oublier une chose qui est d'une injustice énorme et sans oublier que du jour au lendemain, toutes ces choses-là pourraient s'arrêter. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. D'après Ibn Abbas رضي الله عنه, un homme va voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander si Saba était un homme, une femme ou bien un pays. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui répondit que c'était un homme qui eut 10 fils, 6 s'établirent au sud et 4 au nord. Et Ibn Kathir nous rapporte que les Saba étaient les rois du Yémen et que la reine Bilkis, qui vivait au temps du prophète Suleyman alayhi salam, en faisait partie. Dans ce que nous rapporte Qatada, Al-Harimi est le nom de la vallée des Saba et ils avaient pris l'initiative de construire un barrage en amont des deux montagnes. Cela afin de retenir les eaux des rivières qui se déversaient dans leur vallée. Et ils utilisaient cette eau pour irriguer et faire prospérer leurs champs. L'histoire nous rapporte que ce barrage, qualifié du plus grand barrage par les archéologues et historiens de l'Antiquité, avait une oasis qui s'étendait sur 20 km de long ainsi que 8 km de large et était divisée par le cours du Wadi Dana. Cette oasis laissait apparaître la vallée de Yarsan au sud et celle d'Abyan au nord. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, deux jardins à droite et à gauche. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. Encore selon Ibn Kathir, ce peuple adorait le soleil, et lorsqu'ils eurent dénigré leurs messagers, Allah subhanahu wa ta'ala fit s'infester le barrage de rats, qui rongèrent le bois du barrage jusqu'à ce qu'il cède et finisse par tout inonder. Ce peuple, comme beaucoup d'autres, au lieu de réfléchir et de finir par être reconnaissant envers Allah, pour tous ses bienfaits et le luxe dans lequel ils vivaient, ont mécru aux messagers. Et on finit par se dire que c'était le soleil qui leur avait tout donné. En plus de ça, ils s'enflaient d'orgueil à cause des bienfaits qu'Allah leur a accordés, se comportaient mal avec les autres, et on finit par dire une parole qu'ils regretteront à jamais. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Comme pour les voyages de nos jours, comme par exemple en bus, il y avait entre Saba et les villes baignées au nord de la Palestine des villes peu espacées les unes des autres.
Lorsqu'il voyageait, il profitait du luxe de pouvoir manger dans une ville, de se reposer dans une autre, et cela sans craindre les brigands et les voleurs, de par le fait qu'il y avait forcément beaucoup moins d'opportunités pour ceux-ci de commettre leurs crimes sans se faire attraper. Ils ont alors demandé à Allah d'espacer les étapes entre les villes, afin de mieux se démarquer des pauvres et démontrer leur supériorité face à eux, qui profitaient également des villes proches lorsqu'ils se déplaçaient. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, ils préférèrent le désert et ses aléas, ses problèmes et ses dangers, les haltes pour s'approvisionner, camper, puis reprendre la route dans la liberté, la difficulté et l'incertitude. Et ils ont demandé comme les Banu Israël au prophète Moussa, alayhi salam. On dit souvent, on ne connaît la valeur des choses que lorsqu'on les a perdues. Que ce soit un proche qui vit avec nous et qu'Allah finit par ramener auprès de lui, combien regrette les jours où il voyait ces personnes autour d'eux et pendant lesquels ils n'ont pas agi comme ils auraient dû le faire avec eux. D'autres qui ont un bienfait de la part d'Allah comme la santé la détruisent de leur propre volonté, jusqu'à arriver à un stade où ils ne peuvent plus rien changer. Cette vie est courte et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, personne ne sait ce qui lui arrivera ou ce qu'il acquerra demain ou dans quel endroit ou quelle terre il mourra. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Ce qui est important, c'est de profiter de l'instant présent, apprendre et savoir les choses et les personnes dont on a le plus besoin. S'accrocher à la vérité et s'éloigner des choses sans utilité qui nous perdront au jour dernier. Après que l'inondation ait détruit ce qu'il y avait dans leur ville et leur région, le peuple de Saba finit par être dispersé sur la terre, alors qu'ils étaient une seule et même tribu. Certains en Syrie, d'autres en Irak, et encore d'autres dans la ville de Médine. Ils avaient des grâces d'Allah dont beaucoup auraient aimé profiter, mais ils ont été ingrats dans tous les sens du terme, en plus de leur orgueil, et Allah les punissa jusqu'à ce qu'ils ne passent de leur luxe inimaginable à quelque chose de largement moins supportable. Qu'en est-il de nous? Nous vivons pour certains avec des trains de vie que certains rois qui avaient beaucoup plus de richesses et de pouvoir n'ont jamais eu. Mais pourtant, il nous arrive parfois de négliger et d'oublier ces bienfaits d'Allah. Ou encore pire, d'utiliser ces mêmes choses que notre Seigneur nous a données pour lui désobéir, faire du mal aux autres et totalement nous égarer. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.